السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فرونسي افيك لوبنا لتعليم الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. حصة اليوم خاصة بتعلم الفرنسية عن طريق القصص. اخترت لكم من مغامرات جحا Les aventures de Juha قصة بعنوان جحا au bain mort، جحا في حمام مغربي. سأقرأ القصة مرتين، المرة الأولى ستكون بدون ترجمة، بذلك أعطيكم الفرصة لتختبروا مستوى الفرنسية لديكم، هل فهمتم القصة بشكل جيد؟ وفي المرة الثانية سوف أقرأها عليكم مع الترجمة. إذن لنبدأ على بركة الله. Juha entre dans un bain mort pour se laver. Il fait assez sombre à l'intérieur et la vapeur d'eau remplit les lieux. Plusieurs baigneurs sont déjà là, déversant de l'eau chaude sur leur corps. Juha s'arrête quelques secondes à l'entrée pour s'habituer à l'insuffisance de lumière. Ensuite, il avance à petits pas en faisant attention au sol glissant. Apercevant un employé du bain, il lui demande de bien vouloir lui apporter quelques seaux d'eau chaude et de venir l'aider à se laver. « Je suis occupé !» lui répond l'autre d'un ton dur. « Va prendre ton eau toi-même, je passerai tout à l'heure pour te masser un peu, du moins si je le peux. » Juha prend alors deux seaux vides qu'il remplit d'eau brûlante, puis va s'installer dans un coin. Après s'être bien réchauffé, il commence à se laver. À ce moment, le masseur s'avance vers lui. « Bien !» lui dit-il. « Allonge-toi, je vais te consacrer une petite minute. » L'employé se met à lui frictionner énergiquement le corps sans faire attention au cri de Juha qui lui demande d'être moins brutal. Ensuite, il soulève un seau d'eau chaude et en verse d'un seul coup le contenu sur le corps de Juha qui continue à crier. « Voilà !» dit le masseur. « C'est terminé, tu peux sortir !» Juha rejoint sans rien dire le hall d'entrée. Il se repose un peu sur un banc, puis il se rhabille lentement et prend son sac pour partir. Cependant, avant de quitter le bain mort, il appelle de nouveau l'employé qui l'a massé et lui donne une bonne somme d'argent. Le masseur est surpris. Il sait lui-même qu'il n'a pas accordé à Juha toute l'attention nécessaire et il ne s'attendait pas à recevoir un si bon pourboire. Juha sort alors du bain mort. Il se sent frais et en bonne forme, car le bain qu'il a pris lui a fait du bien. Pendant toute la semaine qui suit, il s'occupe de ses affaires quotidiennes. Comme d'habitude, il consacre à son travail le temps qu'il faut et il passe ses moments libres à se promener un peu ou à se reposer chez lui. Il reçoit aussi de temps en temps des amis avec lesquels il aime discuter et plaisanter. À la fin de la semaine, Juha décide d'aller de nouveau au bain mort. Par la même occasion, il compte donner une bonne leçon au masseur qu'il avait très mal servi la fois précédente. Lorsque le masseur le voit entrer, il court lui souhaiter la bienvenue et lui demander de ses nouvelles. Pendant que Juha se déshabille pour prendre son bain, l'employé remplit plusieurs seaux d'eau chaude à laquelle il mélange de l'eau froide pour la rendre moins brûlante. Il choisit un bon coin dont il nettoie le sol et y installe Juha pour qu'il puisse se laver à l'aise. Ensuite, il le frotte avec beaucoup de soin et le masse de manière bienfaisante. Il l'aide à se savonner et lui verse de l'eau avec abondance. Il ne le quitte pas un
seul instant et fait tout pour bien servir ce client qui lui avait donné un si bon pourboire. Il se dit en lui-même, si cet homme m'a donné autant la dernière fois, alors que je m'étais mal occupé de lui, il va sûrement me doubler ou me tripler la somme cette fois-ci. Quelle bonne journée pour moi! Johan, pour sa part, se laisse laver sans échanger un seul mot avec le masseur. À la fin, il quitte les salles intérieures du bain et va s'installer au hall d'entrée. Le masseur l'aide à s'essuyer. Il court lui chercher une boisson rafraîchissante qu'il lui offre avec respect. Johan se repose encore un peu, puis il se rhabille. Avant de partir, il prend de sa poche une toute petite pièce d'argent et la tend au masseur. Ce dernier le regarde avec étonnement. Il tourne et retourne la pièce dans sa main sans comprendre. « Mais qu'est-ce que c'est ?» bredouille-t-il. « Mon pourboire ? Mon argent ? Je croyais... »« Mais tu l'as eu ton argent ?» lui répond Johan. « Tu l'as eu la dernière fois, alors que tu ne le méritais pas. C'est très simple. La petite pièce que je viens de te donner est en réalité ton pourboire de la semaine dernière. Quant à la somme que tu as reçue l'autre jour, elle t'a récompensé à l'avance pour tes services d'aujourd'hui. Au revoir, mon ami, et merci pour ta gentillesse !» ajoute-t-il en riant. L'employé, muet de surprise, ne sait que répondre. Il fixe son regard sur la petite pièce de monnaie. Quant à Johan, il quitte lentement le bain mort et disparaît bientôt au coin de la rue. إذن الآن سوف نقرأ القصة مع الترجمة. Johan entre dans un bain mort pour se laver. Johan دخل إلى حمام مغربي ليغتسل. Il fait assez sombre à l'intérieur. المكان مظلم نوع ما في الداخل. Et la vapeur d'eau remplit les lieux. وبخار الماء يملأ المكان. Plusieurs baigneurs sont déjà là. العديد من المستحمين أو الذين يأخذون حماما هنا سلفا. Déversant de l'eau chaude sur leur corps. يسكبون الماء الساخن على أجسادهم. Johan s'arrête quelques secondes à l'entrée. Johan توقف لبضع ثواني عند المدخل pour s'habituer à l'insuffisance de lumière. للتعود على الضوء غير الكافي. Ensuite, il avance à petits pas. ثم تقدم خطوات صغيرة en faisant attention au sol glissant. منتبها إلى الأرضية الزلقة. Apercevant un employé du bain عند لمحه لعامل الحمام, il lui demande de bien vouloir lui apporter quelques seaux d'eau chaude. طلب منه إحضار بعض الدلو بعض الأوعية بعض سطولة من الماء الساخن et de venir l'aider à se laver. وأن يأتي ليساعده على الاغتسال. Je suis occupé. أنا مشغول. Lui répond l'autre d'un ton dur. أجابه الآخر بنغمة قاسية. Va prendre ton eau toi-même. اذهب وخذ الماء بنفسك. Je passerai tout à l'heure pour te masser un peu. لاحقا سآتي لاحقا لأدلك أو لتدليكك يعني نحك لك قليلا. Du moins si je le peux.
هذا إذا استطعت ذلك. جحا prend alors deux seaux vides. جحا أخذ دلوين فارغين، سطلين فارغين. puis qu'il remplit d'eau brûlante. ملأها بالماء الساخن الحارق. brûlante. puis va s'installer dans un coin. ثم ذهب ليجلس في زاوية أو في مكان في جانب من الحمام. après s'être bien réchauffé, بعد أن دفأ جسده بشكل جيد, il commence à se laver. بدأ في الاستحمام. à ce moment, في هذه اللحظة, le masseur s'avance vers lui. الكسال تقدم نحوه. bien, lui dit-il. حسنا, قال له. allonge-toi, استلقي. je vais te consacrer une petite minute. سأكرس لك دقيقة واحدة, يعني بدء بعد الوقت. بعد الوقت. l'employé se met à lui frictionner énergiquement le corps. العامل بدأ يفرك جسده يعني بقوة. énergiquement le corps جسده بقوة. sans faire attention, donna un يكترث au cri de جحا. لصرخات جحا qui lui demande d'être moins brutal. الذي طلب منه أن يكون أقل وحشية, أقل عنفا. ensuite il soulève un seau d'eau chaude. ثم رفع سطلا من الماء الساخن. et enverse d'un seul coup le contenu sur le corps de جحا. وسكبه, سكب يعني محتواه دفعة واحدة فوق جسم جحا. qui continue à crier, الذي استمر في الصراخ. voilà, dit le masseur. ها قد انتهى الأمر, يعني c'est terminé. ها قد انتهى الأمر. voilà, dit le masseur, c'est terminé. ها قد انتهى الأمر, dit le masseur. قال الكسال. tu peux sortir, تستطيع الخروج. جحا rejoint sans rien dire le hall d'entrée. التحق جحا بقاعة المدخل دون أن يقول أي شيء. il se repose un peu sur un banc. يعني يستريح قليلا على مقعد, على مقعد يعني المقعد الحمام. le banc يكون طويل. puis il se rhabille lentement. ثم يعني لبس أو ارتدى أو يرتدي ملابسه على مهل. et prend son sac pour partir. وأخذ كيسه أو حقيبته ليرحل. cependant, لكن, avant de quitter le bain mort, قبل أن يغادر الحمام المغربي, il appelle de nouveau l'employé. نادى مرة ثانية العامل كي لا ماسي, الذي فركه أو حكله. لوي دون اون بون سوم دارجون, وأعطاه مبلغا جيدا من المال. لو ماسور اي سوربري, الكسال تفاجأ. il sait lui même, يعني هو يعرف, هو نفسه يعرف qu'il n'a pas accordé à Joha toute l'attention nécessaire, أنه لم يمنح جحا الاهتمام اللازم. il ne s'attendait pas à recevoir un si bon pourboire, ولم يكن يتوقع تلقي مثل هذا البقشيش, يعني هذه الإكرامية, يعني تلقى مبلغا كبيرا من البقشيش, من الإكرامية, من البوغبواغ. جحا sort alors du bain mort. خرج جحا إذن من الحمام المغربي. il se sent frais et en bonne forme. يشعر بالانتعاش وفي حالة جيدة. car le bain qu'il a pris lui a fait du bien. لأن الحمام الذي قام به أو الذي أخذه يعني جعله في حالة جيدة. pendant toute la semaine qui suit, طوال الأسبوع التالي أو خلال الأسبوع التالي. il s'occupe de ses affaires quotidiennes.
انشغل بأعماله اليومية. Comme d'habitude, كالمعتاد, il consacre à son travail, يخصص لعمله le temps qu'il faut, الوقت الكافي, et il passe ses moments libres, ويقضي وقت فراغه, à se promener un peu, في التجوال قليلا, ou se reposer chez lui, أو يرتاح في منزله. Il reçoit aussi, de temps en temps, يستقبل من الحين للآخر des amis avec lesquels أصدقاء الذين يعني معهم il aime discuter يحب الدردشة et plaisanter والاستمتاع يحب الاستمتاع معهم. À la fin de la semaine عند نهاية الأسبوع جحا décide d'aller جحا قرر الذهاب de nouveau مرة أخرى au bain-marie إلى الحمام المغربي. Par la même occasion وبنفس المناسبة il compte donner une bonne leçon يعتزم تقديم أو إعطاء درس مهم au masseur للكسل qu'il avait très mal servi الذي خدمه بشكل سيء la fois précédente المرة السابقة. Lorsque le masseur le voit entrer بينما أو عندما الكسال رآه يدخل il court lui souhaiter la bienvenue أسرع إليه للترحيب به et lui demander de ses nouvelles وسأله عن أخباره. Pendant que Juha se déshabille بينما جحا يخلع ملابسه pour prendre son bain ليستحم l'employé remplit plusieurs seaux d'eau chaude العامل ملأ العديد من السطولة بالماء الساخن à laquelle il mélange de l'eau froide يخلط بها أو يخلط يعني مع الماء الساخن الماء البارد pour la rendre moins brûlante ليجعله أقل سخونة. Il choisit un bon coin اختار ركنا جيدا dont il nettoie le sol نظف له يعني الذي ركنا جيدا الذي نظف له dont il nettoie الذي نظف له الأرضية et y installe Juha وأجلس هناك Juha pour qu'il puisse se laver à l'aise حتى يتمكن من الاغتسال وهو مرتاح. Ensuite, Tuma il le frotte avec beaucoup de soin حك له أو فركه بعناية كبيرة et le masse de manière bienfaisante ودلكه بطريقة جيدة. Il l'aide à se savonner ساعده على تمرير الصابون على جسده et lui verse de l'eau avec abondance وسكب عليه الماء بوفرة. Il ne le quitte pas un seul instant لم يتركه للحظة واحدة et fait tout pour bien servir وفعل كل شيء ليخدم ce client زبونه هذا qui lui avait donné الذي أعطاه الذي كان قد أعطاه un si bon pour boire يعني إكرامية كبيرة. Il se dit en lui-même قال لنفسه si cet homme m'a donné autant de autant la dernière fois إذا هذا الرجل أعطاني الكثير في المرة الماضية alors que je m'étais mal occupé de lui عندما اعتنيت به بشكل سيء il va sûrement فمن المؤكد me doubler سيضاعف لي ou me tripler la somme أو يضاعف لي ثلاث مرات المبلغ cette fois-ci هذه المرة. Quelle bonne journée pour moi يا له من يوم جيد بالنسبة لي. Juha pour sa part من جانبه se laisse laver sans échanger un seul mot
يغسل تركه يغسله دون أن يتبادل معه ولا كلمة واحدة، يعني دون أن يتبادل un seul mot avec le masseur ولا كلمة واحدة مع الكسال. À la fin, في النهاية, il quitte les salles intérieures. غادر الغرف الداخلية du bain للحمام وذهب va s'installer hall d'entrée. ذهب ليجلس في قاعة المدخل. Le masseur l'aide à s'essuyer. الكسال ساعده على تنشيف نفسه. Il court lui chercher une boisson rafraîchissante. أسرع يبحث له عن شراب منعش. Qui lui offre avec respect. قدمه له باحترام. Juha se repose encore un peu. Juha ارتاح لبعض الوقت. بعض الوقت encore. ما زال يعني يرتاح لبعض الوقت. puis il se rhabille ثم ارتدى ملابسه. avant de partir قبل أن يغادر il prend de sa poche une toute petite pièce d'argent. أخذ من جيبه قطعة صغيرة من النقود. et la tend au masseur. ثم سلمها إلى الكسال. ce dernier le regarde avec étonnement. هذا الأخير نظر إلي إلى القطعة يعني بدهشة. il tourne et retourne la pièce dans sa main. يدير ويقلب القطعة في يده sans comprendre دون أن يفهم. mais qu'est-ce que c'est؟ ولكن ما هذا؟ بغدويتيل يتلعثم. mon pourboire إكرامياتي. mon argent نقودي. Je croyais, كنت أظن, mais tu l'as eu, ton argent, لكنك حصلت على نقودك. Lui répond Juha, رد عليه جوحا. Tu l'as eu la dernière fois, لقد حصلت عليه المرة الماضية. Alors que tu ne le méritais pas, عندما لم تكن تستحقه. C'est très simple. الأمر بسيط للغاية. La petite pièce que je viens de te donner. القطعة الصغيرة التي أعطيتها لك للتو. Est en réalité ton pourboire de la semaine dernière. هي في الواقع هي في الحقيقة إكراميتك للأسبوع الماضي. Quant à la somme que tu as reçue l'autre jour. أما بالنسبة للمكافأة التي قدمتها لك أو التي تلقيتها في ذلك اليوم، elle t'a récompensé يعني كانت مكافأة à l'avance مقدما pour tes services على خدماتك d'aujourd'hui لهذا اليوم. Au revoir. وداعاً أو إلى اللقاء. Mon ami, يا صديقي. Et merci pour ta gentillesse. وشكراً على لطفك. Ajoute-t-il en riant. أضاف وهو يضحك. L'employé, العامل, muet de surprise. ارتبط لسانه من المفاجأة. يعني أصبح صامتا ارتبط لسانه من المفاجأة. ne sait que répondre. لا يعرف ماذا بماذا يجيب. il fixe son regard sur la petite pièce. يحدق بالقطعة النقدية الصغيرة. la petite pièce de monnaie. القطعة النقدية الصغيرة. quant à Juha. أما Juha. il quitte lentement. غادر على مهل لو بان مور الحمام المغربي. اي ديسباري بيانتو وسرعان ما اختفى. او كوان دو لا رو يعني وسرعان ما اختفى قاب قوسين او ادنى يعني عند زاوية الشارع.
إذن هذه هي القصة، أتمنى أن تكون قد أعجبتكم. لا تنسوني من صالح الدعاء، وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.